Un nouveau regard sur l'argent, premier ouvrage de Maître Anaël Moussakanda, présenté à la préfecture de Brazzaville samedi 12 novembre 2022 au cours d'une conférence publique axée sur les mystères de la richesse. Comment attirer l'argent et devenir riche? Maître Anaël a répondu à cette problématique au cours de cette conférence. S'attirer de l'argent dépend de soi et de son environnement, a signifié l'orateur. Maître Anaël n'a pas manqué d'évoquer les raisons qui lui ont poussé à écrire son ouvrage. Je suis pas né des parents riches et donc j'ai été témoin de la pauvreté autour de moi, dans mon quartier, dans ma vie. Depuis lors, j'avais compris qu'on pouvait attirer l'argent. Et j'avais compris déjà très jeune que je ne pouvais pas, cela ne dépendait pas de mes parents. Cela dépendait simplement de moi et de ma relation avec l'univers. Si vous ne changez pas votre système de croyance, vous ne pouvez pas attirer la richesse, l'argent et le bonheur dans votre vie. Parce que la croyance a le pouvoir de détruire votre vie. Et une croyance aussi a le pouvoir de construire votre vie. Tout dépend de la manière dont vous croyez. Autre temps fort de cette conférence, la séance de questions-réponses entre l'assistance et le conférencier autour de la richesse intérieure. C'est un débat parce que la richesse a son origine, l'argent a son origine. Vous ne pouviez pas être riche si vous ne travaillez pas. Il y a des paramètres, à mon avis, que le conférencier n'a pas expliqué. Pour moi, je ne trouve pas du faux dans ça. Vraiment, c'est de la réalité, sauf que nous sommes encore ignorants. Un nouveau regard sur l'argent, fruit de 2 ans de recherche, retrace le vécu de Maître Anaël. Il est vendu à 15 000 francs. Au sortir de cette conférence, Maître Anaël a annoncé la mise en œuvre d'un programme de formation de 6 semaines à compter du mois de décembre sur la libération de la richesse intérieure pour vivre la magie de la vie.